Bonjour les internautes et bienvenue sur la chaîne de Cristal. J'espère que vous êtes tous bien avec ce confinement. Voilà, pour ce deuxième retour de confinement, j'espère que vous allez tous très très bien. Voilà, donc je vais faire une petite vidéo, j'espère que ça va vous plaire parce que c'est, je vous dis, les 5 youtubeurs et youtubeuses que j'aime bien du moment, donc du mois de novembre. Voilà, donc c'est parti, on y va tout de suite pour les 5 youtubeurs que j'aime du mois de novembre. Donc en numéro 1, j'ai mis le monde de Pewt. Donc excusez-moi, je fais une petite parenthèse. C'était juste pour dire que, en fait, si vous allez dire, oui, mais avant, elle avait déjà fait une vidéo, elle avait déjà parlé de ça, parce que vous allez retrouver presque les mêmes. Mais c'est du moment. Donc si tous les mois, ben, il va avoir le monde de Pewt, il aura le monde de Pewt. S'il y aura un autre, il y aura un autre. Et puis c'est tout. Voilà. Il y en a que ça peut changer du tout au tout, tout. Il y en a d'autres, non, vous allez voir. Donc, le monde de Pewt, j'adore ses vlogs. Ses vlogs. Ses vlogs. Bon, bref, j'arrête de parler. J'adore ses vlogs du dimanche. Voilà. En ce moment, je suis un peu mitigée pour les nouvelles vidéos qu'elle fait là. Pour tout le mois avant Noël. Voilà, elle a essayé de faire des vidéos, il y en a qui sont pas mal, il y en a d'autres qui sont un peu. Pour la plupart des vidéos, c'est. Pour moi, j'aime pas, mais bon, bref. Mais là, je vous dis qu'est-ce que j'aime chez elle. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que je n'aime pas chez elle. Parce que c'est pas le titre de la vidéo. Donc, le monde de Pewt, c'est une petite bonne femme. Elle a 2 enfants. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai en barre d'infos le monde de Pewt pour que vous puissiez renoter le monde de Pewt. Voilà, donc c'est le numéro 1. À part ses vlogs, elle fait des retours de course, elle fait des hauls Action, elle fait des hauls AliExpress, des hauls Shein. Oui, c'est ça, voilà. Et elle me fait toujours très très rire. Dans sa façon d'être, je l'aime bien, elle me fait beaucoup rire. Voilà, après, le monde, n'importe quoi, je suis fatiguée aujourd'hui, laissez tomber. Picketing Boutique, donc c'est une femme. Donc c'est numéro 2, c'est une femme que j'aime énormément parce que elle me fait des vlogs, mais c'est toujours le même thème en fait. Elle fait des vlogs donc pour nous montrer, donc soit c'est, enfin elle nous fait des vlogs, ou si elle nous fait aussi d'autres vidéos sur la pile à lire. Donc du mois de, bah là c'est la pile à lire du mois de novembre par exemple. Voilà. Après elle nous fait donc en fait, quand elle nous fait la pile à lire du mois, donc c'est pour moi, ça va être, donc pour moi, non, n'importe quoi. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de vous expliquer, ça part en cacahuète, malgré que j'ai écrit mes vidéos, que j'ai fait tout, mais en bref. Donc, en fait, elle nous fait des vlogs, où à l'intérieur des vlogs, elle peut mettre, comme quoi qu'elle a reçu des colis, donc de livres, pour nous montrer telle ou telle édition qui lui a envoyé, ou telle personne qui la suit lui a envoyé des livres. Voilà. Ensuite, elle nous fait des vidéos spéciales, donc sur la pile à lire du mois de novembre. Donc, c'est tous les livres qu'elle a reçus du mois de novembre que les éditeurs ou d'autres personnes qu'elle aime bien lui ont envoyé. Voilà. Après, elle peut nous faire la pile à lire, donc c'est-à-dire pas la pile à lire, donc, elle nous fait la pile à mood, voilà, et la pile à lire. Donc en fait c'est deux choses différentes. En fait c'est une où elle nous dit bah ce mois-ci vous allez voir ça, 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 ça comme livre qui vient de sortir. Et j'ai lu ça, 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 ça comme livre. Parce que dans toutes ces vidéos, bah, elle va nous dire, bah en fait, quand elle va faire ses vlogs, on va voir. Dire tiens, moi je suis en train de lire tel livre, ou j'ai fini de lire tel livre, ou je vous en parlerai dans les. Voilà. Dans les vidéos spéciales. Elle s'est basée que sur ça. Et sur sa boutique qu'elle est en train de faire, mais ça a toujours le même rapport avec des livres. Et voilà. Ensuite, nous avons Jojo Aline, si je le prononce mal, je suis désolée. Voilà, donc c'est une femme qui nous raconte un peu sa vie en tant que maman. Pas maman solo, mais maman. Voilà, elle a trop, non, elle a 2 filles. Et donc là, au mois de juillet, il me semble qu'elle a eu un petit garçon. Donc voilà, donc elle nous montre comment ça se passe sa vie, que c'est pas toujours facile, voilà. Je l'aime bien. Après, je peux pas vous dire que
Si je devais choisir, non, je mettrais pas elle en mon coup de cœur, mais elle est pas mal. Maintenant, je vous parle d'un nouveau youtubeur que je connaissais pas et que j'ai appris à connaître il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vous raconterai dans une vidéo peut-être spéciale que je ferai un thème spécial, une vidéo spéciale là-dessus. Voilà, donc c'est. Alors, désolé si je le prononce mal aussi. C'est Gaming 13. Donc, c'est un monsieur qui fait beaucoup de vidéos. Voilà, qui a fait beaucoup de vidéos avec une certaine personne qui s'appelle Rania. Voilà. Et donc, j'ai trop aimé. Parce que déjà, lui ou Rania me faisait extrêmement rire. Voilà. Donc, c'est pour ça que ben, j'ai bien aimé. Voilà. C'est encore un nouveau thème. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de différents thèmes. En fait, moi, je suis du divers. En fait, donc, moi, j'aime un peu de tout. On va dire. Voilà. Donc, j'ai fait des vidéos sur du divers. Et j'aime du divers aussi. Donc, voilà. Ensuite, donc. Mon chouchou chéri coup de cœur, c'est prends un livre et détends-toi. Donc c'est mon très cher ami Ludo. Que je kiffe, que je kiffe, que je kiffe de ouf. Voilà, et c'est mon dernier pour cette vidéo que je vais vous parler. Donc toutes les vidéos qu'il fait sont géniales. Mais il y en a que j'aime plus que d'autres. Bien sûr, quand il fait sur les élections américaines. Moi, vous voyez, c'est du chinois pour moi, c'est du je ne sais pas quoi, mais j'arrive pas. Mais je le soutiens quand même, vu que j'aime bien toutes ces autres vidéos qu'il fait, ses vlogs, ses machins. J'aime bien. Je kiffe ça, pour vous dire. Donc là, je me dis, il n'y a que ce thème-là que je n'aime pas trop. Oh, je me dis, allez, c'est pas si grave que ça. Mais je le soutiens. Voilà. Parce que c'est sympa de soutenir un youtubeur, même si on n'aime pas. Un thème qui fait sur tout un ensemble de choses globalement. Voilà, comme j'aime plus de choses que je ne déteste de trucs chez lui. Voilà, mais ça, comme c'est sa grande passion, c'est les États-Unis, les élections des États-Unis, tout. Je pense que tout le monde, en fait, ce qu'il aime, je pense, c'est tout le thème des Amériques. Après, il dit ça, tout ce qui appartient aux États-Unis, je pense qu'il doit kiffer ça énormément. Je kiffe aussi, mais pas de la même façon que lui, je pense. Parce que lui, c'est plutôt les états, les élections présidentielles. Donc voilà. Et la bonne nouvelle pour lui, c'est Joe Biden qui devient le nouveau président dans 2 mois. Donc, il devrait être très content, il devrait faire la fête à ce que j'ai vu et à ce que j'ai compris. Donc voilà, c'était mon dernier youtubeur ou youtubeuse que je vous ai présenté, que j'aimais pour cette vidéo-là, parce que je l'ai fait 5 par 5. J'en ai 10 en tout et ça fait trop long de faire une grande vidéo comme ça, donc j'ai préféré me couper en deux. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour les youtubeurs que j'aime et pourquoi je les aime. Voilà, mais Gaming 13, j'aime moins ses vidéos quand il est avec ses potes. Excuse-moi de revenir là-dessus, vu que c'est un nouveau que j'aime. J'aime moins quand il est avec ses potes et qu'il fait ses conneries avec ses potes, ses amis, que quand il était avec Rania. Quand il était avec Rania, même s'il faisait plein de conneries avec elle, ça c'était super marrant. Je préférais mieux comme ça, mais bon, malheureusement, c'est comme ça la vie. Voilà. Sur ce, j'espère encore que le confinement se passe bien. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas de liker, partager, commenter pour recevoir, d'activer la cloche, pardon, pour recevoir toutes mes dernières vidéos. Et sur ce, je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Christa!